Hello, bonjour. Tu vas parler de Kate Middleton, on va parler des Cambridge, on va parler de la famille royale. Comme vous le savez, la famille royale a l'habitude de poster des photos de leurs enfants lors d'anniversaires, lors de fêtes des mères, fêtes des pères et lors d'événements assez spéciaux pour la famille lorsqu'ils célèbrent quelque chose. Ce sont des photos qui font la plupart du temps plaisir aux fans de la famille royale, des Cambridge, qui sont friands de ces photos et qui en redemandent. Le problème, c'est que après ce qui s'est passé avec Kate Middleton et avec des critiques qui ont suivi, le prince William aurait décidé qu'il n'est plus question que sa femme et ses enfants apparaissent dans quelque photo que ce soit. Donc, il serait contre tout partage de photos des enfants parce que on a critiqué la photo qui a été postée récemment. Bon, je rappelle que cette photo a été refusée par plusieurs agences de presse, hein, ce parce que la photo aurait été manipulée. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Et ça a été une humiliation totale. Donc le prince William aurait décidé que dorénavant, il n'y aura plus de photos des enfants. Ils n'apparaîtront qu'en public lorsque nécessaire, mais de photos données pour les fêtes des mères, fêtes des pères, c'est terminé. Il y aura des photos pour les anniversaires, pour donner des nouvelles, car il ne veut pas totalement rompre le contrat entre la famille royale et le public anglais. Il faut savoir que le public anglais peut décider de terminer la famille royale s'il veut, c'est-à-dire de ne plus avoir de famille royale. Il suffit d'un référendum et pour obtenir leur loyauté, ben, on leur sortait des photos de la famille. Donc, préparez-vous si vous entendiez dire qu'il n'y aura plus de photos, ne soyez pas étonnés. Ou alors, si vous voyez que pour la fête des pères, vous n'avez pas de photos, ben, ne soyez pas étonnés non plus parce qu'on nous dit que William est furieux de la façon dont tout ça s'est terminé et qu'il ne compte plus jamais poster de photos de ses enfants, de lui et de ses enfants, de sa femme et de ses enfants pour les fêtes qui ne sont pas liées aux anniversaires. Qu'est-ce que j'en pense? Ben, je crois que malheureusement, s'il fait ça, ses fans ne vont plus le soutenir parce que tout ce dont rêvent les fans, c'est de voir la famille royale, hein, de beaux petits-enfants, le prince et la princesse Oriane. Il faut aussi dire que les fans des Cambridge ont vraiment soutenu le couple, hein. Ils ont été prêts à tout pardonner, même si ces photos avaient été manipulées pour soutenir une narrative fausse. Mais eux, ils ont soutenu le couple et ils ne comprendront pas pourquoi ils sont pénalisés alors que c'est la presse qui était derrière tout cela. Ça, c'est ce qu'ils disent. Hein. Donc, je vous tiens au courant, de toute façon. Hein. Je suis sûre que les fans de la famille royale et des Cambridge de Galles seront un peu déçus, si c'est le cas. Mais bon, je ne pense pas que ça arrivera. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.